Non, en fait, les femmes sont, pour moi, pas encore représentées à des postes de direction. On a trois ministres femmes, on a quelques-unes qui sont DG, comme la directrice des douanes, mais ce n'est pas encore ce qu'on peut appeler les postes de direction. C'est-à-dire que vraiment, pour entrer dans le cercle du sérail ou la voix de la femme pour porter, ce n'est pas être ministre de la culture ou de la condition féminine. On ne pourrait pas mettre une femme ministre des finances ou de la défense. Pourquoi? Est-ce que c'est son arbre en tant que femme qui l'en empêche? On pense pas que les femmes puissent avoir des compétences, ce qui est totalement faux. Parce que on a longtemps cru que les femmes ne pouvaient pas entrer dans le commandement, mais aujourd'hui on a des femmes qui sont dans le commandement et qui travaillent et qui ont des résultats qui sont plus importants que ceux des hommes. Donc il n'y a aucun problème à ne pas être en poste de responsabilité de par le fait de son sexe. Ce n'est pas un critère logique d'évaluation. Donc, je pense qu'il y a des choses qui doivent être